Chouchou, bidou, bidou, ah chouchou, bibi, doudou. Eh oui, je reviens de course. Alors, ce long tour de course n'est absolument pas pour 7 à 8 TF1. Alors là, walou, surtout pas. Ce qui fait que, bon, je vous montre, j'ai acheté ceci, un bifteck chez Charal, parce que on perd pas une équipe qui gagne. 5 euros. J'ai oublié la lumière, vous allez voir, ça va changer la vie avec la lumière. 5,50€ les 5, les 4, mais bon, c'est 5% et comme moi je suis toute seule, voilà, donc je vais pas je vous montre. J'ai acheté ceci, des pâtes. Vous connaissez pas, mes amis? Vous connaissez ça? Et ben voilà, des pâtes. Donc 1,05€ des pâtes pour les feignasses comme moi. Voilà, je suis comme une feignasse. Les pâtes, je les fais pas cuire. Du jambon, bah, c'est pour mettre dans mes petites des pâtes ou dans mes salades. J'ai payé ça 1,45€. Bah, ça, c'est pour ma fille. 65 centimes, c'est au saumon. Parce qu'elle est de plus en plus difficile. Ceci, c'est de la ciboulette. Bah, ciboulette, cibille, ciboulette. Bah oui, normal. Pour aller avec la salade. D'accord, je suis barque, mais je m'en fous. Cannelloni. Alors, je voulais les panzani, mais il n'y en avait pas. Alors, aux appétits. Et du coup, bah, tant pis, j'ai pris cela. Un soir, j'ai pas faim, j'ai pas de courage. D'abord, j'ai pas beaucoup de courage pour faire un manger déjà. Feignasse. Ceci, parce que mademoiselle est très compliquée. Elle a toutes les marques. Elle a Royal Canin, enfin, elle a tout ce qu'il faut. Du coup, là, je lui ai pris celle-là. Perfectite, Total 5, riche en saumon, stérilisé. Elle a plus d'un an. Ceci, 1,65€, les 4 gourmets. Elle adore. Ceci, 2,35€ pour la feignasse que je suis. Alors, c'est à l'huile d'olive, échalote et ciboulette. Ça, je pense que ça va être pas mal. J'avais essayé la tomate séchée, mais c'est pas super la tomate séchée. C'est sympa, mais c'est pas cette marque-là qui est la meilleure. Ceci, persillade. Alors, comment vous dire que je ne sais pas si c'est pour la salade. J'en sais rien. Mais comme je vois rien. Ouais, faut pas vieillir. Vous avez vu hein, les cheveux, hein. Je vous dis pas comment j'ai chaud. Alors là, pour le coup, j'ai chaud. Ah! Oui, c'est Bill. Allô? Oui, oui, c'est fini. C'est Bill, elle est partie dans l'espace, là. Alors, ceci, haricots verts. Au fait, juste une petite aparté. Une personne m'a écrit que je me maquillais mal, mais que j'avais pas besoin de faire de vidéo. Mais c'est pas grave, à la limite, moi, je suis pas professionnelle, donc je m'en fous, je le fais pour le partage, pour justement tous ceux qui ont envie de... Bah, qui se maquille vite fait comme moi, voilà. Moi, je ne vais pas me maquiller comme une professionnelle. Je ne suis pas professionnelle, je ne peux pas le dire. Donc, voilà. Donc, ce message était pour une certaine personne, mais comme je l'ai bloqué, je crois. Voilà, des haricots verts, 95 centimes. Bah oui, n'importe quoi, c'est tout petit, mais je fais du gâchis. Alors, je ne veux plus faire de gâchis. 65 centimes, le petit Sheba. Sheba, ma poupounette, viens, maman. Viens, maman, chichou. De la potée, j'ai vu tout le monde en achetait 2,05€. Moi, j'adore la potée au chou. J'achète jamais de conserve, mais bon, comme je suis toute seule, allez hop, m'en fous. J'ai pris des petits pois extra fins, j'adore. D'habitude, je prends la boîte, la grosse boîte, et ben là, petite boîte. Par contre, ça, je le mange en un repas avec 2 œufs, c'est parfait. Je casse 2 œufs dessus. Je vous assure, je vous le recommande, c'est 2,35€ à la Provençale, mais c'est vraiment à l'huile d'olivière. C'est vraiment une tuerie. Curcuma, parce que j'ai vu qu'il y avait une personne sur, je sais plus, sur internet, ou je sais plus, ben j'ai vu ça, ou sur plutôt un reportage télé, qui parlait du curcuma. Je crois que c'était sur télé matin, je sais plus, bref, non, je regarde pas télé matin, je sais pas. Eh bien, le curcuma, franchement, c'est très sain, et ça, je le sais que c'est très sain, c'est très bon pour anti-cancéreux, anti-machin, anti-tout ça. Et je me dis, ben, je vais me faire des œufs et je vais casser du curcuma dessus. Parce que j'ai vu qu'elle avait fait ça et je me dis, ah, oh, bah ouais, je suis une copieuse, je sais. Mais merci. Alors, regarde, c'était plus que cette boîte-là, cassée, cabossée, ouverte. Et il manquait 2 coca. Donc, ce que j'ai fait, ben, il n'y avait plus de coca light. J'ai pris 2 coca comme ça et je l'ai complété parce que je n'allais pas me faire avoir. J'ai payé 3,35€. Parce que moi, je bois qu'un mini coca, je ne bois pas de coca. Enfin, je ne bois pas de 33 centilitres. Je suis un peu speed, hein. On y va, je suis un peu trop speed. Allez, on va aller doucement. Cinnamon,
Alors en fait, pourquoi du sénanaï? Parce que tout ça... Ah mais si je suis plus speed, il faut que j'enlève la perruque, non? Non, bref. Ça c'est pas une perruque, c'est une... Ça s'en va. Ça s'en va et ça revient. Vous avez vu? Ça, c'est une postiche. Enfin, je sais pas comment on appelle ça. Ceci du sel à l'ail parce que ben, comme je bouffe que des conneries, donc il va falloir qu'à un moment donné je mange aussi de l'ail. Donc c'est pour ça que j'ai pris du curcuma et de l'ail pour compenser. Quoique les conserves, c'est pas des bêtises, hein, normalement. C'est les plats préparés, j'évite d'en manger. J'en ai pas acheté. J'en mangeais beaucoup, j'en mange plus. Bon, cela dit, pas des charges. J'ai pris ceci. C'est du quinoa, chicken and sésame. C'est un petit repas. C'est bon jusqu'au mois de juin 2019, donc j'ai le temps. Je ne mangerai pas maintenant, mais c'est pour avoir au cas où, si j'ai une petite fainéantise. Ceci, c'est parce que voilà, ma fille, elle est trop difficile, donc je lui ai pris du Sheba pour dire « Viens, viens maman, viens maman qu'elle a acheté. Viens, viens maman, viens. » Pour dire « Je t'aime. Là, et j'ai pris celui-là, des petites lentilles, voilà. Parce qu'en fait, je fais du gâchis, je sais que je pourrais acheter les moins chers, mais moi, j'aime bien avoir casse-grain, alors... Ouais, je sais, hein, c'est une bonne. J'ai pas. Oh là là. Alors ça. Mon Dieu. Ils sont défaits, mais. Oh, c'est des mini Queen Amman. Mais je vous jure que ça. Mais c'est une tuerie de chez tuerie. Je mange en deux jours. Deux, trois jours le soir. J'en mange trois. Mais c'est un truc de dingue. C'est vraiment excellent. Ça coûte 3,25€. Du pain de mie, parce que je suis tellement fainéante que j'aime pas manger la croûte, il faut enlever la croûte. Du coup, j'ai payé ça 1,40€, ouais, quelque chose comme ça, ou 1,29€. De chez Harry, il n'y a pas de croûte. Ben, c'est parfait pour moi, pas de gaspillage. Je vous dis, je veux partir dans le truc non gaspillage, je veux plus gaspiller. J'en ai marre de gaspiller et c'est pas possible. Ceci, 1€, mais sans piternel, petit pain au lait. À la crème. Franchement, ils sont très très bons de chez Auchan. Il n'y a pas à foutre. 1,49€. J'ai un doute, je vais l'appeler plus cher. De chez Auchan, la salade, ben, la salade, elle est pas chère, quoi, 1,49€. J'ai pris un gros paquet. Là, j'ai pas pris un petit paquet parce que j'en mange beaucoup. Du petit pain au pavot. Non, c'est pas pour. C'est pas les graines de pavot. Non, pas du tout. Hein. C'est juste parce que d'abord. On va enlever. C'est juste parce que j'ai des rillettes de canard qui me restent et du coup je voudrais. Un coup je regarde à gauche, un coup je regarde à droite, ne vous inquiétez pas. C'est parce qu'il y a la glace et il y a la caméra. Et du coup, ben ceci, 40 centimes. Combien? 41 centimes. Comme ça, je vais me faire du pâté avec des cornichons, j'adore. Du rillettes de canard. Ceci, 1,35€, ben oui, des carottes râpées. Ah, là, elles sont trop bonnes, elles sont à la ciboulette. Donc voilà, j'ai pris ça. Des bananes, j'en ai pris 4, mais j'en ai 3. Bah oui, j'en ai pris 3, j'en ai mangé une. Par contre, là, pour le coup, j'en ai eu pour 1,25€. Mais c'est des Guadeloupéennes, donc elles sont bonnes. Des éponges, parce qu'il me faut une éponge pour ma salle de bain, 1,29€. De chez Auchan coloré, 1,29€ les 3, c'est très bien pour la salle de bain. J'en mets un derrière le lavabo et j'en mets un sur la baignoire. Un champignon. Vous voyez, je suis célibataire, il n'y a pas de souci, hein. Je suis vraiment célibataire. Alors, j'ai acheté un champignon pour mettre dans ma salade. Combien? Je vous dis, je ne veux plus de gâchis. 18 centimes, un champignon. Alors là, je me suis fait avoir, c'était 1,52€, elle m'a coûté 99 centimes, mais je lui dirai, c'est pas grave. Les deux avocats As, qui sont très bons, je les ai payés 1,99 centimes l'avocat, alors que j'aurais dû payer 1,52€. Mais bon, c'est pas grave. Du raisin, il était à 99 centimes le kilo, j'en ai eu pour 52 centimes. Franchement, 52 centimes, regardez la grosse grappe, je sais pas ce qu'il vaut, hein, mais bon. Ceci, des tomates noires, j'en ai combien? Mais peut-être ça vaut plus le coup que je vous dis le prix, parce que là, c'est pas du prix intéressant. Voilà, les petites tomates noires comme ça, de crémée, elles sont un petit peu amères, elles sont pas mauvaises. La peau est épaisse et moi j'épluche la peau. J'en ai eu, bon je vous le dis, mais c'est cher. Le kilo était à 2,99€, j'en ai eu pour 1,60€. J'adore.
Ça, j'adore. J'adore. 4,25. Steak tartare, il est bon jusqu'au 19 septembre. Oh non, je me suis encore fait avoir. Eh bien, 19 septembre, on est le combien? Eh bien, je vais manger ça ce midi. Et puis ça, je mangerai ça ce soir. Poulet à l'indienne. Voilà, poulet à l'indienne. J'ai pris ça à 2,45. Alors, vous savez qu'il y a une application qui existe. On vous en parlera la prochaine fois si vous voulez. Je vous dis, je vais manger de plus en plus sain. Enfin, de plus en plus sain. Quand même, des conserves, c'est pas mauvais, c'est sain. Hein. C'est mieux que des plats préparés à la noix, là. Les conserves, c'est mieux. Des brugnons. Il n'y en avait plus que 4, d'ailleurs. J'en ai eu pour 1 euro. Je ne vous dis pas. 1,99€ les 4. J'ai pas fait des super affaires, hein. Mais au moins, je vous dis, il fallait que je fasse des courses. 1,90€, eh ben, elles sont très bonnes. Elles sont comme celles de Lidl que j'adore. Jambon et mental, je les adore. Elles sont bonnes jusque, je regarde, au 23 septembre. Et l'autre, le beefsteak, il est 19, ouais. Alors, et une betterave pour aller avec ma salade, 57 centimes. Voilà. Devinez ce que j'ai acheté. Eh ben là. Voilà. Elle est tout le temps dans mes sacs. Que ce soit des sacs machin, des sacs truc, elle est tout le temps dedans. Regarde. Bisous. Allez. Hop, va dans le sac. Je sais que t'en veux en envie. J'ai énormément de vidéos. J'ai d'autres vidéos en ligne. Et comment dire. Je les mettrai, qu'il faut que je les mette en ligne, je les ai mis, j'ai un wall action, bon bref, voilà, j'ai encore plein de petites choses. Ceci, alors je voudrais faire une petite aparté, ceci est les trucs de Stéphanie, la chaîne de les trucs de Stéphanie, qui m'avait offert il y a très très longtemps cette petite bague. Cette petite bague s'appelle Choubidou. Voilà, alors si vous voulez des bagues Choubidou, allez sur la chaîne de les petits trucs de Stéphanie. Et je voulais remercier aussi parce que, oui, alors elle m'a donné, ouais. En fait, j'ai fait une vidéo, mais la vidéo, c'est une catastrophe. Donc, Création Passion m'a envoyé ceci. Je trouvais ça trop, trop mignon. C'est un petit paravent. Regardez, voilà. C'est ce qu'elle m'a envoyé. Je suis très touchée. Merci mille fois. Franchement, merci beaucoup, Lydia. C'est vraiment très, très gentil. Alors, j'ai eu cette petite boîte qui a un peu souffert au niveau du transport. Et dedans, vous avez des petits nuages, non? Nuages? Est-ce que ça, c'est un nuage? Non, mais allô, Sybille, c'est un nuage, ça? Non, c'est une fleur bleue. Une fleur violette. Et plein de petits trucs, des petits trucs mignons. Voilà, donc là, dans la petite boîte, mais la petite boîte, elle est un peu cabossée. Mais bon, je la mets de côté. Voilà, elle est comme ceci. Vous avez un joli mot qui est magnifique, que je trouve sublime et que je garde pour moi. Ceci, qui est très, très joli, vous voyez, regardez. Vous pouvez mettre des choses à l'intérieur. C'est franchement joli, une petite carte. Franchement, c'est trop mignon. Merci mille fois. Juste pour moi, ces petits mots. Voilà, hop. C'est le petit mot que je trouve ça très, très joli. Et ceci qui est très joli. Alors moi, je ne connais rien dans scrap, hein, je ne vous cache pas. Je vous dis à part... et oui, et... Donc, je n'oublie pas. Et elle m'avait fait un joli cadeau qu'elle a donné à mamie Corinne pour moi. Voilà. Mamie Corinne, je t'aime, tu le sais, t'es ma sœurette. Voilà, regardez, c'est trop joli et je vous jure que je l'ai tout le temps avec moi. Merci Lydia, merci Création Passion. Et voilà, regardez, j'ai ma carte et j'ai ceci aussi. Nammyo o Rengekyo. C'est une phrase qu'il faut dire tout le temps, tout le temps, tout le temps. Voilà, qui vous apportera le bonheur, la joie. Là, j'ai mis, je sais pas combien de temps pour le faire. Je l'ai peint là, j'ai peint là, j'ai mis les perles, j'ai fait ça. J'ai mis des, voilà, comme ça, vous voyez, à la one again. Vas-y, que je te prends à la one again. Et là, ici, il y avait une glace et moi, j'ai enlevé la glace et j'ai fait ceci. Voilà, à part ça, je ne... Coco, il faudra que je t'envoie quelque chose. Il faudra que je prenne le temps. Voilà, mes choubidous. Alors, si ma vidéo vous a plu, ou une pouce. Si elle ne vous plaît pas, ne faites rien, n'éditez rien. La 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 la, la 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 la, la 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 la, regarde à toi, abonnez-vous, likez, partagez, commentez, surtout commentez parce que c'est grâce à ça que l'algorithme de YouTube va nous reconnaître par les commentaires. Je ne savais pas, je pensais que c'était des pouces, mais vous pouvez mettre aussi les pouces, il n'y a pas de souci. Hein. Mais comme il compte aussi bien les pouces en l'air que les pouces en bas, donc c'est les commentaires qui comptent. Voilà mes choubidous, je vous aime, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Sur ce,
cette fois-ci. I finish, je vais aller ranger mes courses. Je vous aime, je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous, bisous, bisous.